D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que tout très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pack opening. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait cette petite vidéo, hein. Je crois que ça fait depuis mercredi, donc ça fait quand même longtemps. Donc aujourd'hui, pack opening, donc vous voyez que là, je suis à 1400 sur 5000 d'or. Ça finit dans 20h, faudrait que j'en fasse, mince, quelques-unes, mais c'est pas grave, on va commencer par une attaque. C'était pas prévu. Donc ouais, j'ai pas mal de coffres à vous ouvrir, coffre magique, coffre de défi, coffre de clan, enfin voilà, bref, pas mal de coffres à vous ouvrir. J'ai également le shop parce qu'on est dimanche, donc j'ai le shop, j'ai une épique gratuite, donc on va voir à quelle ça sera, j'espère une bonne épique, après c'est qu'une seule carte, mais bon, ça reste quand même une carte offerte, c'est quand même, voilà, une carte offerte. J'ai également un coffre légendaire, mais j'hésite à l'acheter parce que ça coûte 500 gemmes quand même. Et il me reste 900 gemmes, je crois, donc j'hésite. Là, il a mis un petit sort de boost, là. Je sais plus comment ça s'appelle, d'ailleurs, ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est un sort de rapidité, j'allais dire. Ouais, en gros, c'est ça, mais c'est pas le terme exact. Sort de rage, ouais, c'est un sort de rage. Bon, pour l'instant on est bien parti, donc là on est sur, j'ai cliqué à gauche, donc c'était pour l'or, enfin pour le défi de l'or là. Et donc du coup à chaque tour que je détruis, je gagne 100 d'or, donc c'est quand même pas mal. Quand même relativement pas mal. Donc là il y a le bébé dragon. Donc voilà, j'ai aussi pas mal de coffres, hein, comme je l'ai dit, coffre magique, coffre de clan, coffre de défi que je n'ai pas ouvert, qui date de presque une semaine. Et un petit coffre légendaire que j'hésite donc à ouvrir. Et donc là, je pense qu'on est parti sur un 1-0, j'espère. Ouais, c'est bon. Hop là, nickel. Donc voilà, là j'ai 100 d'or en plus. Bon, je vais essayer, si j'ai le temps, de faire quelques attaques pour gagner un petit peu plus d'or. Parce que là, je suis à 2, je suis même pas à 2000 sur 5000 d'or. Donc ben, si on peut avoir plus, ça serait cool. Enfin, un maximum d'or, ça serait cool. Et par contre là j'ai super mal joué. Je voulais attirer les deux barbares d'élite sur la tour du roi. Et au final ben, j'ai mal joué, donc on va attaquer à droite, hein, tant pis. Donc dès que vous détruisez une tour, vous gagnez 100 d'or. Les 3 tours c'est 300 d'or, enfin c'est 100 d'or par tour. Donc c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. Ok, ouais, par contre là il faut que je fasse attention. Alors là, là c'est chaud, là c'est... Oh là là, non, genre sort de rage qui est puissant, hein. Je pensais défendre assez facilement, en fait, non, pas du tout. Bon, il a gagné. Donc là, j'ai gagné 100 d'or, voilà, 100 d'or. En plus, c'est toujours ça, hein. Donc je suis à 1500 sur 5000. Et j'ai fait le petit défi, là. 300 d'or par victoire, en plus, donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout, ça. Donc ça permet de gagner pas mal d'or et comme ça voilà, c'est pas mal, comme ça je peux augmenter les cartes prochainement. D'ailleurs le géant, hein, bientôt le géant niveau 11. Bref, du coup bah, j'hésite à acheter le coffre légendaire sachant que j'ai toutes les légendaires. J'hésite vraiment à l'ouvrir. J'hésite. Bref, du coup on commence par ça, allez. Carte épique, foudre, ok, c'est cool. Carte épique gratuite. Ensuite on va faire le coffre en argent. 83 d'or, un sorcier. 12 Tesla, ça roule. Ensuite, on va faire le coffre de défi. 5 victoires. C'était le tirage d'Halloween, donc ça fait longtemps, comme je vous l'ai dit. Donc 1250 d'or. 8 chauves-souris. 9 zaps. 24 gobelins. Et 5 cabanes de barbares. Ça roule. Donc là, il n'y a rien de nouveau. On va faire le coffre en or, donc voilà. 239 d'or. 1 gobelin à Sarvacane. 10 barbares d'élite. 3 golems de glace et 27 gargouilles, ça roule. Ensuite on va se faire le coffre à couronne. Non, le coffre de clan plutôt. On a fait que 3 niveau 3, hein, c'est pas ouf. Hein. D'ailleurs, si vous voulez dans le clan, n'hésitez pas. Hein. Vraiment, n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Coffre de clan. On a 360 d'or. Une méga gargouille. 5 cabanes de barbares. 53 zaps. Et. Oh, une épique. Tiens, un petit feu gobelin. Donc on a 7 sur 50. Ça roule. Avec coffre à couronne. 624 d'or. 3 gemmes, ça c'est cool. 2 guérisons.
6 3 mousquetaires, 73 squelettes et épique également. On a un petit poison, 42 sur 50, on se rapproche du niveau 6 pour le poison. Ok. Donc ouais, alors ouais, j'hésite parce que ça coûte quand même 500 gemmes. Sachant que si il y a des nouveaux boosts qui arrivent, ben ça pourrait être pas mal d'utiliser les boosts. Parce que les boosts sont quand même relativement rentables. Mais par exemple, pour celui que j'ai choisi tout à gauche, si on est assez actif, il est très, très rentable. Gagner 300 d'or par victoire, c'est très très rentable sur une semaine. Mais après, il faut jouer beaucoup. Moi, je joue pas énormément en ce moment. Mais si on joue beaucoup, c'est très rentable. Donc, je préfère gagner, je préfère garder mes gemmes pour, on sait jamais, pourquoi pas utiliser d'autres boosts prochainement. Donc là, on va sur le coffre magique. Le dernier coffre, hein, dernier coffre. Coffre de clan, là, il nous reste 18 heures. On n'est même pas niveau 2, quoi. Il n'y a plus personne. Abusé. Niveau des quêtes, on est sur un coffre épique, donc c'est pas ouf. Mais bon, je vous ouvrirai quand même une vidéo, je pense. Avec d'autres coffres. Et il y a quoi comme nouveauté, là, Clash Royale? Nouvelle, 3 novembre, il y a 2 jours. C'était... Ah, mais d'accord, c'était au niveau de l'or. Alors les coffres magiques, on finit par le coffre magique, c'est parti. Que j'ai eu donc il y a 2-3 jours. 1200 d'or. 2 roquettes. 18 gangs de gobelins. 27 chauves-souris. 49 archers. Ok, je sais pas si j'ai tout. Non, il manque encore des cartes. Il manque encore l'épique. Épique et rare, je crois. Rare, 8. Pierre tombale. Épique, non. Dommage, donc là 15 gargouilles et du coup à la fin ça sera une épique. Voilà 4 squelettes géants. Dommage, on n'était pas loin quand même de la légendaire. Mais 4 squelettes géants, je peux passer niveau 6 si je veux, mais il me faut de l'or. Mais bon. Donc voilà, là je suis à 13 000 d'or, donc j'ai encore le temps d'économiser, mais bon, ça serait cool d'augmenter un petit peu l'or. Histoire d'augmenter pas mal de cartes encore, ça serait pas mal. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, ce petit pack opening et cette petite attaque que j'ai perdu, mais j'ai quand même gagné un petit peu d'or, donc ça c'est cool. Et donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à lâcher les petits pouces bleus en bas de la vidéo, commenter la vidéo, à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao.